Kasaï Central, 21e Provence, à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République. De l'aéroport national de Kananga jusqu'au lieu du meeting, le ticket de l'Union Sacrée a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en liesse sur le parcours. Sur les lieux de rendez-vous, s'adressant à son électorat en Tshiluba, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé, avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains en cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, les routes, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs de ne pas empêcher d'autres candidats de battre campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. À son arrivée à 18h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union sacrée. Une mobilisation sans précédent du candidat numéro 20, c'est dans la province de l'Omami. Sans hésiter, ces Congolais accordent déjà un second mandat à Félix Tshisekedi. Jacques Mégier, reportage. Les villes de Kabinda et celles de Mweneditu dans la province de l'Omami ont vibré au rythme de la campagne électorale. À Kabinda, chef-lieu de la province de l'Omami, c'est à 13h30 que le président de la République démocratique du Congo, candidat numéro 20, est arrivé par hélicoptère au stade de Kamukungu dans la commune de Kabuela-Buela. À ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit un pigeon blanc et un bouquet de fleurs, symbole de paix et d'amour. Il salue les officiels, le grand chef coutumier Songhe, qui les rassure de sa réélection. De là, le fils biologique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba fait le pied jusqu'au gouvernorat pour son adresse. À quelques kilomètres de Kabinda, dans la ville ferroviaire de Mweneditu, un autre meeting. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, fonce. Une foule compacte bravant la fatigue de 2 jours d'attente, scande, danse et pousse de cris d'allégresse à l'arrivée de son choix à la magistrature suprême et effervescence au zénith. Le président de la République et candidat à sa propre succession fait les pieds jusqu'à la tribune d'honneur érigée pour la circonstance à l'hôtel de ville des Mweneditu. Que ce soit à Kabinda, chef-lieu de la province de l'Omami, et à Mweneditu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo axe son message principalement sur ses réalisations et le besoin de la population qui reste à combler, la santé, les infrastructures sous toutes les facettes, l'agriculture, l'emploi des jeunes, la sécurité et l'armée, l'économie aussi. L'approche d'échange est participative pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de travaux sont exécutés, d'autres sont en cours, d'autres encore restent à faire, d'où la nécessité d'un deuxième quinquennat. Et toujours dans ce même registre, retenez que le candidat numéro 21 est quant à lui à l'étape du Maïndombe. Il a harangué la foule dans les cités de Nyoki et d'Inongo. Martin Fayulu a demandé à cette population de lui accorder son vote. Fifi Mukundi. Il est déterminé à atteindre le maximum d'électeurs favorables. Martin Fayulu Madidi, le candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre, a échangé avec la population de Nyoki. Dans cette entité de la province du Maïndombe, le candidat président s'est montré très attentif aux attentes des patriotes de cette partie de Maïndombe. Au dire des intervenants, Nyoki fait face aux nombreux problèmes liés au développement. Sans les citer tous, il s'agit principalement du manque de routes, d'électricité et des infrastructures de base.
En les invitant à voter pour le numéro 21, Martin Fayulu Madidi pense qu'ils auront fait un choix utile et responsable. Bon, votez pour la vie là. Bon, votez pour ton bon salaire colo. Toyokani. Bon, vous votez numéro combien? Numéro combien? Au cours de la même journée et à l'étape de la ville d'Inongo, le candidat numéro 21 a entretenu la population locale sur les véritables raisons de lui accorder leur voix. Dans sa démarche, le ticket de la Muka Fayulu à l'élection présidentielle a décrié la mégestion de ses adversaires en lice pour les postes du président de la République démocratique du Congo. Pour lui, l'unique solution est la rupture avec le passé. Pour tout dire, un appel à voter pour le numéro 21, Martin Fayulu Madidi, les participants à ces meetings de campagne à Kiev. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre 2023, c'est Moïse Katumbi Tshapwe, le leader de la plateforme électorale Alternance et d'Ensemble. Il a lui entamé les grands Katanga. Ici, dans ces images, vous voyez ce qu'a été sa descente à Kolwezi dans le Lualaba. Ceci est une première étape de sa tournée dans ce coin du pays. Il a également été dans le Congo central. Moïse Katumbi est aussi attendu dans le grand Bandundu dans les heures qui suivent. Et puis Adèle Kaïnda est elle aussi à fond dans la mobilisation en faveur du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. On la voit dans ce reportage que je vais vous proposer avec les mamans Mouilou. C'est bien entendu les mamans Kimbanguiste, Angèle Mabiala. Les mamans Mouilou sont extraordinaires. À travers elles, on sent la joie et la volonté d'être chrétienne. Nous sommes kimbanguistes de sang et de cœur, disent-elles. Vous vous souvenez certainement du prophète Simon Kimbangu qui a consacré sa vie pour notre pays et les autres nations. Quand nous voulons une chose, Dieu ne nous la refuse jamais. Comprenez qu'avec nos prières, le candidat numéro 20 est déjà réélu et celle qui nous a fait l'honneur de nous construire une nouvelle église moderne est déjà victorieuse. D'ailleurs, le séjour de la princesse Adèle Kaïnda Maïna dernièrement en Kamba a couronné la victoire. L'autre des marques des descendantes de Maman Mouilou s'est dite émue et comblée de joie. Elle remercie ses guerrières dans l'œuvre divine pour leur prière intense en sa faveur. Le chef de l'État avait décidé que la journée du 6 avril, dédiée à l'église kimbanguiste, soit une journée chômée et payée. Il a tenu sa promesse. Les kimbanguistes lui sont redevables. L'hôte des marques de l'église kimbanguiste de Sandoa a remis une enveloppe à la communauté kimbanguiste de Sandoa, de Pagne, Maman Mouilou, plusieurs houes pour les travaux champêtres. Ils ont donc prié pour le garant de la nation, surnommé le Josué de la République, autrement dit Tshisekedi. Entendez la joie. Ils ont donc prié pour leur bienfaitrice, que le dieu de Simon Kimbangu Kiangani lui rende son type et que sa campagne se déroule comme il se doit afin d'avoir une victoire écrasante sur tous ses adversaires. Patrick Mouyaya Katemwe, plus proche que jamais de sa base, de la FUNA, dont il est le numéro 476 à la députation nationale et 41 à la provinciale. Dans la commune de Makala, il a convaincu sa base de voter pour la consolidation des acquis du premier mandat de Félix. Et à Bandalungwa, une base déjà acquise, il a fait du porte-à-porte. Gaëtan Magalano. Accueil populaire d'un candidat par ses éventuels électeurs venus témoigner un attachement jamais pareil à son élu dans ses coins de Makala. Au premier mot de Patrick Mouyaya, applaudissements nourris au candidat numéro 476 aux législatives, la foule scande de chansons à l'honneur de celui qui porte déjà le marque d'une victoire d'un champion de la présidentielle de 2023, Félix Tshisekedi. J'ai accompagné pendant une semaine le président de la République dans ce tournée électorale. C'était une folie
inimaginable. Et ici à Kinshasa, il fallait continuer puisqu'il faut préparer les terrains de l'arrivée du président pour la fin de la campagne. J'ai rappelé, le mot de passe, c'est 20, c'est 476, c'est 41 pour Bandal. Ministre de la Rôle aussi de l'écoute après ces meetings, place à présent à une politique de porte-à-porte. Il faut vendre le réalisation et action du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre de cette année. Une petite pause de communion avec sa base naturelle de Bandalungwa. Patrick Muyaya poursuit son chemin. Dans cette parcelle, il est aussi question de rappeler le 41 à la provinciale, le 476 aux législatives et le 20 à la présidentielle de 2023. De la FUNA aujourd'hui, du gouvernement, Patrick Muyaya charme encore sa base. Le changement de narratif s'est défini désormais par le dire et le faire. Et puis cette marche suivie d'une matinée de sensibilisation en faveur du candidat numéro 20, elle est signée la cellule pour le changement de mentalité. Nous sommes dans la circonscription de la Lukunga. Dada Chabani et J.R. Kabamba signent ce reportage. Amener la population du district de Lukunga à voter massivement pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au présidentiel du 20 décembre 2023. Tel est l'objectif de la marche de soutien au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tous les candidats députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers municipaux, membres de l'Union Sacrée et leur base. La marche était organisée par les comités d'organisation de la campagne du candidat numéro 20 à la présidence de la République, piloté par Jacques Kambala Tshilombo, le candidat député national numéro 976 et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements des mentalités, structure de la présidence de la République. Nous pensons que Dieu veut un Congo uni et un Congo puissant. Et à travers ces élections, nous voulons démontrer à toutes les forces vives tant à l'intérieur du pays que sur le plan international que le Congolais tienne à élire librement leurs responsables, commandants, commençant par le président de la République jusqu'au dernier conseiller municipal. Jacques Kambala Tshilombo a aussi invité les électeurs de Lukunga de se présenter au bureau de vote durant la journée électorale avec comme souci de voter pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le même message était au centre de deux matinées de sensibilisation tenues tour à tour par Jacques Kambala Tshilombo à Kinshasa et à Lingwala. Junior Kalonji est le candidat député national numéro 801, circonscription électorale de la Lukunga. Il mène une campagne de masse et aussi de proximité. Dans ce reportage, on le découvre avec les motocyclistes. Joël Makela, Junior Bonyoma. Dernier virage pour la campagne électorale. Le candidat numéro 801 à la députation nationale à Lukunga et 231 pour la provinciale dans la commune de Mongafula, Junior Kalonji Nsenga, multiplie les stratégies afin de convaincre un grand nombre d'électeurs de voter pour lui. Il a opté pour un dialogue de vie. Pour ce faire, le numéro 801 et 231 a échangé avec le conducteur de moto de sa circonscription électorale. Avec cette catégorie socio-professionnelle, le message est concis et précis. J'ai besoin de vos voix afin de porter votre cause à l'Assemblée provinciale et nationale. Nos frères Wewa peuvent compter sur la personne de Junior Kalonji, okay, pour les défendre, pour leur cause, pour les différentes péripéties qu'ils vivent par rapport à leur métier. Okay. Ils sont nobles dans le travail qu'ils font parce qu'ils sont une réponse aux problèmes qui se posent. Donc ça c'est de un. Et puis en second lieu, leur demander de m'accompagner par rapport à la bataille qui est mienne. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait une bien meilleure prise en charge. On l'a dit aujourd'hui, s'ils tombent malades, comment ils font pour se faire soigner, okay, s'ils ont différents problèmes, comment ils font. Donc c'est, on voudrait, dans un large spectre, une prise en charge globale. Donc au regard de tous les problèmes qu'ils connaissent un peu, quoi. Donc ce n'est qu'un, c'est un début, ce n'est pas la fin. Festivités de Noël et Nouvel An oblige.
Junior Kalonji, candidat indépendant, offre le présent au Mota, appelé communément Wewa, convié à cette rencontre. Bon appétit, joyeux Noël, bonne année. On avait prévu un petit rien, un peu de riz, un peu de poulet et un peu d'huile, afin qu'ils puissent festoyer en cette période de fin d'année, de festivité, avec leurs membres de famille. Voilà qui s'annonce bien. Et cette annonce est de taille. Le président de la Commission électorale nationale indépendante réaffirme la volonté de cette structure d'organiser les élections en République démocratique du Congo dans les délais constitutionnels du 20 décembre. Ceci ressort de la réunion tenue entre les experts de la CENI et ceux du Conseil d'État, Tétis Samba et Jirès Tofundi. On fait ce reportage. Au cours de ce cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil d'État, conduit par sa première présidente Marthe Odenundi, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a réaffirmé la ferme détermination de son institution à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette rencontre a eu pour objectif d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats. L'opportunité a été offerte au numéro 1 de la centrale électorale de revenir sur cet engagement devant les hauts magistrats en souscrivant les contours de ces moments d'échange. Denis Kadima Kazadi a également lancé un appel aux candidats de prôner la paix au cours de leurs échanges avec la population au moment où la campagne électorale bat son plein. À exactement 6 jours de la tenue des scrutins combinés du président de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseils communaux, je suis honoré de participer à des échanges en vue d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats en rapport avec les scrutins provinciaux et locaux. Voilà pourquoi la CENI et le Conseil d'État ont convenu d'organiser le présent cadre de concertation afin de dégager un entendement commun sur les dispositions légales et réglementaires applicables dans ces contentieux de résultats. Pour sa part, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odenundi, a relevé que le présent atelier regroupant les experts de la CENI et les hauts magistrats du Conseil d'État vient à point nommé dans la mesure où il permet aux participants d'échanger sur certaines dispositions de la loi électorale. Auparavant, le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, a souligné l'importance du pouvoir judiciaire, surtout en matière des contentieux. D'autant que, a-t-il noté, la CENI va proclamer les résultats provisoires à l'issue des scrutins et ceux qui seront pris en charge par les acteurs de l'appareil judiciaire avant qu'ils ne deviennent définitifs. C'est ensemble durant toute la journée que les experts de la CENI et du Conseil d'État vont devoir échanger sur différents thèmes liés à ces opérations et aux procédures à observer. Et quand ils sont bien encadrés, les Koulounas, ces jeunes gens désœuvrés et considérés comme des délinquants, peuvent bien servir la République. Ce reportage en est la preuve. Le flambeau du candidat numéro 20 ne tarira pas de résigner à la Founa. Il est dans les mains des notables ayant pignon sur rue. L'honorable Jean-Marie Lukulasi Masamba est l'un d'entre eux. Manche retroussée, drainant des foules, il n'épargne aucune commune de la Founa. Même les quartiers les plus chauds où d'autres candidats ont difficile à accéder, c'est chose facile pour l'élu de la Founa proche de sa base depuis 2006. Les communes de Kalamu, Ngiringiri, Selemba ou Kasavubu ont reçu la visite de l'honorable Jean-Marie Lukulasi, l'enfant de la Founa. Chacune de ses apparitions draine de foule en effervescence. En plus du numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le dénominateur commun de l'Union sacrée de la Nation, Jean-Marie Lukulasi Masamba prêche pour sa chapelle. Il est candidat numéro 220 aux législatives nationales à la Founa. Une sollicitation qu'il repose sur son bilan du mandat qui s'est terminé. En digne représentant de filles et fils de la Founa, Jean-Marie Lukulasi Masamba
n'a aucun répit dans la lutte contre le banditisme urbain, l'oisiveté juvénile et féminine, la précarité sanitaire, la prise en charge holistique de Kuluna, précurseur de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, président de la commission qui a mis à nu le détournement dans le projet sans jour et véritable fer des lances dans le combat pour effondrer la coalition FCC Cash et laisser ainsi le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les mains libres pour l'intérêt du pays. L'honorable Jean-Marie Lukulasi Masamba s'est aussi porté candidat numéro 40 au provincial de Kalamu. Plus de 5 milliards de personnes portent avec elles le monde du numérique à travers leur téléphone portable. Mobiive et Africell viennent de concrétiser un partenariat d'achat à crédit des smartphones, une manière de faciliter l'accès à cet outil incontournable de communication. Yolande Voka. C'est procurer un smartphone appelle une chirurgie du portefeuille, et surtout quand on a un faible revenu. Avec ces partenariats entre Mobiive et Africell, l'on peut naturellement se procurer un téléphone adapté à crédit moyennant un paiement par mensualité. L'objectif visé est de stimuler la croissance de la connectivité à travers la République démocratique du Congo et offrir un accès mobile précieux à un nombre important. Donc, ce partenariat permettra entre autres de stimuler l'accroissement de la connectivité à travers la République démocratique du Congo, d'offrir un accès mobile précieux à un nombre important de clients potentiels. Et cette offre ne se limite pas qu'au grand public. Donc l'offre est disponible pour les clients entreprises également. Ceux qui souhaitent souscrire pour un abonnement corporate entreprise, l'offre se fait accompagner de ces supports des téléphones qui sont à la disposition de notre clientèle. Avec ses plus de 20 millions d'abonnés un peu partout en Afrique, ces géants de la téléphonie mobile comptent élargir l'éventail de ses services. Notez également que la Cour des comptes accueille du 11 au 14 décembre la 22e réunion statutaire du comité régional de renforcement institutionnel. Le président de cet organe en a lui-même présidé la cérémonie d'ouverture. Nancy Poba. Kinshasa accueille depuis le lundi 11 décembre 2023 les travaux de la 22e réunion statutaire du Comité régional de renforcement institutionnel CRRI en sigle, organe d'exécution du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, TREFIAF en sigle. L'hôtel du fleuve Congo est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces assises ce mercredi 13 décembre 2023 en présence de Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Nos hôtes qui sont arrivés, ils sont le bienvenu. Sinon, je suis très satisfait de cette organisation. Il s'agit du comité régional de renforcement institutionnel organisé par la Cour des comptes. J'avoue que depuis l'arrivée du président de la République, le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI, qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement, s'est confiée. Nous sommes ici pour veiller à la professionnalisation de nos JSC à l'ONU, à ce que nos JSC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. C'est pour ça que nous tenons ces réunions une fois par an. Jimmy Munganga Ngwaka, premier président de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie, n'a pas tari d'éloge envers le magistrat suprême de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais d'abord relever ici que la Cour des comptes est honorée, n'est-ce pas, par la tenue de cette réunion. Honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond en fait à la vision du chef de l'État, qui consiste à ouvrir notre pays au monde. Parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays, n'est-ce pas, de l'Afrique. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature vient de réceptionner des clés USB pour les magistrats nouvellement nommés, une action des partenaires qui soutiennent le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Edith Chala. 2300 clés USB
pour les 2300 magistrats nouvellement formés afin que les matières apprises y soient stockées. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Telesphore Ndouba Kilima, qui réceptionne le colis, s'en félicite et voit dans cet acte la volonté des partenaires d'accompagner son service dans la lutte contre les différents maux qui rongent les secteurs. Cette cérémonie devait avoir lieu le jour de la clôture de la formation. Et je vous rassure que ces clés vont arriver aux destinataires, aux magistrats. Lorsqu'ils viendront pour la notification, on va les notifier avec la clé. Nous avons là, on remis des, très concrètement, des clés USB contenant de la documentation, grande partie de documentation, pour, qui vont être remises aux 2500 nouveaux magistrats. Patrice Deschaux, chef d'équipe du projet Parge 2, détaille les contenus de ces clés USB. Nous avons appuyé l'organisation du concours, ensuite la rédaction de modules de formation, puis la formation. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, c'est le fait de donner à nos nouveaux collègues, je dis collègues parce que je suis aussi magistrat, une clé USB avec tous les modules de formation, tous les codes et les principales lois existants en RDC. C'est un élément du processus conduisant au redressement de la justice et son administration, comme le veut le chef de l'État, un véritable état de droit au centre de l'Afrique. Et puis le rendez-vous des décideurs sur le climat a bien vécu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La République démocratique du Congo, qui est un des éléments essentiels de la lutte contre le réchauffement climatique, n'est pas rentré bredouille de cette rencontre. Je parle de la COP 28. Incroyable mais prévisible, car l'homme des réalisations concrètes n'oublie aucune occasion qui se présente devant lui pour booster son secteur très important dans le cadre du développement durable. Dans le cadre du Fonds forestier national, le directeur général Honoré Moulumba Kalala a pris langue avec la famille royale de Dubaï de l'entreprise OCAB pour voir dans quelle mesure appliquer une digitalisation moderne qui permettra de contrôler tous les sites exploités par les entreprises minières, pétrolières et autres cimenteries, mais aussi suivre de près les taxes payées par les partenaires extérieurs de manière qu'elles soient conformes. Du FFM, nous sommes en train de parler avec les partenaires sur la manière dont on peut contrôler tout ce qui se passe en termes de taxes. Toutes ces entreprises que vous connaissez, chinoises, égyptiennes, libanaises, américaines, belges, françaises, pour ne pas les citer, qui exploitent, n'est-ce pas, nos terres, nos minéraux, tous ces endroits. Soulignant que le directeur général du FFN vise la mobilisation de recettes qui est la vision chère du chef de l'État actuellement et se bat pour que cette mobilisation devienne une réalité et rassure qu'après les élections du 20 décembre prochain, une réforme sera faite en commun accord avec la dite entreprise pour non seulement maximiser les recettes, mais surtout diminuer les fraudes, pourquoi pas les éradiquer. Et à l'université de Lubumbashi, c'est déjà la rentrée académique 2023-2024 et également le traditionnel accueil de nouveaux étudiants. Images et commentaires. La traditionnelle journée d'accueil et d'intégration des nouveaux étudiants a vécu ce mardi 12 décembre. Pour Amphithéâtre Kalaba, tout commence par la procession des professeurs en tonge. Puis les nouveaux cassapards scandent pour la première fois la cassaparde. Ensuite, les étudiants prennent connaissance de l'organisation de leur alma mater. Les membres du comité de gestion, les doyens des facultés et directeurs d'école sont présentés par l'éducateur. Les responsables des services qui ont en charge notamment les inscriptions, les services académiques, le logement, le soin de santé et les transports vont défiler pour faire part de leur essor. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, a dans son speech invité le nouveau cassapard à la participation, la responsabilité, le travail, la détermination et la tolérance. Qu'est-ce que l'université de Lubumbashi a mis à votre disposition ? Nous avons apprêté pour vous un monde ouvert, fondé sur l'égalité des chances. Nous avons apprêté un espace d'amitié, de fraternité. Nous avons donc apprêté un champ où vous devez cultiver des valeurs, où vous allez planter la mise en commun de vos atouts personnels. Les témoignages des anciens et nouveaux étudiants sur le pourquoi une lutte en ponctué
cet accueil des plus chaleureux. Quand on arrive à l'université, on pense qu'on a une certaine liberté, une certaine autonomie, ce qui n'est pas faux. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui à vous tous qui décidez de vous inscrire à l'UNILOU, c'est que vous êtes libre. Libre de réussir, libre d'échouer. Enfin, j'éprouve une affection toute particulière pour l'UNILOU parce qu'elle incarne l'excellence et je vise moi-même l'excellence. Je viens du Cameroun, je suis étudiant étranger. Avec l'UNILOU, j'ai beaucoup appris. Donc je demande à tous ceux qui sont étudiants étrangers de se sentir chez soi. Et un grand meeting annoncé pour demain samedi au stade Tata Raphaël à Kinshasa, une organisation de l'Alliance des élites au service du peuple. Je suis Jean-David Ngazi Kowozida, acteur politique, candidat député national, le numéro est 477. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, pour vous annoncer une grande manifestation qui se tiendra demain à la capitale Kinshasa. L'événement est organisé par l'Alliance des élites au service du peuple et allié, l'ASPA en sigle, qui se tiendra au stade Tata Raphaël II à partir des 10h. Pourquoi le but de cette grande manifestation est tout simplement pour présenter notre candidat président de la République. Il s'agit, je parle, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous élèvons, que nous voulons présenter aux yeux de toute la population de la République démocratique du Congo et aux yeux du monde entier, que c'est notre candidat sur qui nous portons notre choix comme candidat président de la République et également à qui nous voulons donner une majorité parlementaire écrasante. Donc demain, c'est un grand rendez-vous. La population de la capitale Kinshasa, nous vous invitons à venir massivement assister à cet grand événement. La disposition a été prise, c'est-à-dire il y a le moyen de transport qui seront mis en disposition de la population de Kinshasa à travers toute la capitale. Nous parlons de plus de 200 bus Transco qui seront là. Et vous le reconnaîtrez par la mention de bâche. À caractère qui vont annoncer que les bus sont des bus qui vont au stade Tata Raphaël et ces bus vont vous prendre en aller comme au retour pour que vous assistiez à cet événement. L'église kimbanguiste dit garder une haute considération du candidat numéro 20 pour le respect de la parole donnée. Cette église a d'ailleurs reçu des mains de José Panda, cadre de l'Union Sacrée, un important lot de matériel de musique. C'est devant plus de 20 centenaires kimbanguistes réunis en prière dimanche 10 décembre dernier que ce don d'instrument pimpant neuf a été remis à l'église du prophète Simon Kimbangu en Mbujimayi par maître José Panda Kabangu. Ces instruments de fanfare sont constitués notamment de deux saxophones, un bombardon, quatre tubas, quatre barytons, quatre altos, six trombones à la police, cinq trompettes, cinq bigles, deux grandes caisses, deux tambours, une paire de cymbales et autres. Pour le donateur, c'est une dette qu'il paye, un engagement qu'il avait pris. Ce n'est pas la première fois que je foule le sol de la Terre Sainte. J'étais dans la suite du président de la République chez le père spirituel à Kamba. Et le père spirituel avait confirmé en disant au président Félix Tshisekedi, vous êtes déjà président de la République. Je viens vous exhorter ici, c'est notre terre sainte. Tout kimbanguiste, là où il est, doit donner sa voix à Félix Tshisekedi. En le faisant, il respecte l'appel du père spirituel. Moi aussi, je viens à vous pour vous demander de me donner vos voix. D'après Major Kankonde, un des fidèles kimbanguistes, c'est depuis 1995 que dans l'église, on n'a jamais atteint plus de 30 instruments réunis à la fois pour sa fanfare. Plus de 130 églises de réveil ont reçu chacune une dizaine de chaises et d'autres présents. D'autres églises, comme Hébron, ont eu un peu plus. Le lycée Mwanjadi, où cahiers et journaux de classe à l'effigie du président Tshisekedi, ainsi que des machines à coudre, ont été remis. Les épouses de militaires et policiers et bien d'autres communautés sont les bénéficiaires de bienfaisance de maître José Panda Kabangu, candidat numéro 44 aux législatives nationales et 66
au provincial. Le président de la République a signé quelques ordonnances, mais avant de vous en livrer le contenu, nous allons boucler ce journal dans le Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula ratisse large en faveur de Félix Tshisekedi, également une campagne de proximité et aussi de masse. À n'en point douter, pas à pas, Jacques Kiaboula Kakoué poursuit sa marche triomphale vers sa réélection à la double députation, comme ce fut le cas en 2018. Le candidat député national 585 et provincial 882 dans la circonscription électorale de Lubumbashi est dans les bonnes grâces des électeurs et une communion parfaite s'installe de plus en plus. Jacques Kiaboula Chie, à tout à vous voter, tu es Apollo, voilà tu es Chapeau, voilà tu es Calendrier. Comme à chacun de ses rassemblements depuis le début de la campagne électorale, ce lundi 11 décembre 2023, avec sa base électorale de trois communes, Katuba, Kamalondo et Lubumbashi, l'amphithéâtre Silver Palace est tellement rempli qu'il n'y a plus de place pour tout le monde. Entre 5 dollars, dans 20 dollars, il paye. À sa prise de parole, Wandani, plusieurs fois interrompu par des cris et des chants de victoire, a appelé l'assistance à se rendre massivement le 20 décembre prochain dans les bureaux de vote pour que les acquis du pays et de la province du Haut-Katanga soient consolidés. Les Lushois interrogés sont formels sur le fait que le gouvernement Jacques Kiaboula Kakoué a, au cours de ces 5 dernières années, accompli une série de réalisations qui ont apporté des changements dans la vie de ses concitoyens et qui l'ont hissé au rang des rares gouverneurs de province dont la renommée traverse les frontières. Le président de la République a signé quelques ordonnances. Elles concernent toutes des lois promulguées. Dans ce studio de la RTNC, Edi Chala est avec nous pour la lecture. Bonsoir Edi. Bonsoir Nancy. Ce sont au total 7 lois promulguées par le président de la République dont je ne vais lire que les dispositifs pour faire court. Loi numéro 23/054 du 10 décembre 2023 autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu le 4 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du développement d'accès aux services d'eau et d'assainissement phase 1. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de crédit numéro 73390Z-R conclu en date du 4 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement phase 1, PASEA en sigle, ayant abouti à l'octroi d'un prêt d'un montant de dollars américains, 400 millions. Article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, fait à Goma le 10 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 décembre 2023, le directeur de le cabinet du président de la République, Guilain Mbubuiza, directeur de cabinet. Loi numéro 23/055 du 10 décembre 2023, autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu le 4 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA, au titre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de crédit numéro 73340Z-R conclu en date du 4 septembre 2023 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle, pour un montant de 200 millions de dollars américains. Article 2.
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Goma le 10 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Loi de finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie, disposition générale, titre premier, du contenu de la loi des finances de l'année 2024. Article premier. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Elle fixe globalement la part des recettes à caractère national allouées aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Le budget du pouvoir central pour l'exercice 2024 ainsi que les opérations budgétaires et de trésorerie y rattachées sont régies conformément aux dispositions de la présente loi. Article 67. Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 font partie intégrante de la présente loi. Article 68. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 69. La présente loi entre en vigueur à la date du 1er janvier 2024. Fait à Goma, le 10 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Loi numéro 23/057 du 10 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont teneur suit. Titre 1er, des dispositions générales. Chapitre 1, de la création du champ d'application et des définitions. Article 1er, il est créé un ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo, ONIA en sigle, ci-après dénommé ordre. Son siège est établi à Kinshasa. Il peut être transféré exceptionnellement à tout autre endroit du pays sur décision de l'Assemblée générale. L'ordre est doté de la personnalité juridique. Article 2. La présente loi s'applique à la profession des ingénieurs agronomes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Article 58. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Goma le 10 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nyembo Buizia, directeur de cabinet. Loi numéro 23/058 du 10 décembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 88/002 du 29 janvier 1988, telle que modifiée et complétée par les lois numéro 12/006 du 4 octobre 2012, et numéro 18/030 du 13 décembre 2018, portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 9, 10, 41, 53 et 91 sont modifiés et complétés comme suit. Article 9. Le régime de sécurité sociale pour les parlementaires est géré par une direction de l'administration de l'Assemblée nationale et du Sénat dénommée Service de sécurité sociale pour les parlementaires, en abrégé CSOPA. L'organisation et le fonctionnement de cette direction sont régis par les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Article 10. Les soins de santé sont dispensés aux parlementaires en activité honoraire ainsi que leurs ayants droit, soit par la formation médicale du Parlement, soit les autres formations médicales avec lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat auront signé les conventions médicales ou encore par un médecin spécialiste recommandé par la législative. Article 4. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, fait à Goma le 10 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour copie certifiée conforme à l'original le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Bouizia, directeur de cabinet. Loi numéro 059 du 10 décembre 2023 relative à l'activité et au contrôle des bureaux d'information sur les crédits. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre 1er, les dispositions générales. Chapitre 1, de l'objet et du champ d'application. Article 1er, la présente loi fixe les conditions d'agrément, de fonctionnement, de contrôle et de supervision des bureaux d'information sur les crédits, BIC en sigle, opérant en République démocratique du Congo. Article 2, la présente loi s'applique aux bureaux d'information sur les crédits, aux fournisseurs et utilisateurs d'informations sur les crédits, ainsi qu'aux clients. Elle ne s'applique pas aux registres tenus par la Banque centrale du Congo pour la centralisation des informations sur les crédits accordés par les établissements de crédit et les sociétés financières dont les conditions et les modalités d'accès sont définies par voie d'instruction. Article 84. Le recueil du consentement préalable des clients prévu aux articles 32.3 et 33.4 de la présente loi ne s'applique pas aux clients ayant bénéficié des crédits ou des facilités de paiement auprès d'un fournisseur utilisateur au cours des 3 dernières années avant la date d'agrément du bureau d'information sur les crédits. Article 85. Dès son agrément, tout bureau d'information sur les crédits a droit à la communication de l'information contenue dans le registre tenu par la Banque centrale du Congo pour l'utilisation des informations sur les crédits accordées par les établissements de crédit et les sociétés financières relatives aux 3 années précédentes à l'installation. Article 86. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 87. La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel. Fait à Goma le 10 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République, Alain Niembo-Bouizia, directeur de cabinet. Et pour terminer, la loi numéro 23/060 du 10 décembre 2023 autorisant la ratification de l'accord de financement numéro 7288/ZR du 10 juin 2023 conclu entre la République démocratique du Congo et la Trade Development Bank TDB au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution. L'application de l'accord de financement conclu en date du 2 juin 2023 entre la République démocratique du Congo au protocole et la Trade and Development Bank TDB pour de $127,500,000 au titre du financement du projet de construction du centre financier du Kinshasa. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation fait à Goma le 10 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 11 décembre 2023, le cabinet du président de la République. Guylain Niembo-Bouizia, directeur de cabinet. Mehdi Tiala, merci. Et avant de quitter rapidement ce communiqué, la compagnie aérienne nationale Congo Airways a le réel plaisir d'annoncer à son aimable clientèle la reprise de ses vols vers les destinations ci-après, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbandaka, Kananga, Mbujimayi, Gemena et Kindu. Congo Airways réitère son engagement à mieux servir ses clients dans le confort, la régularité et en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, Congo Airways prie sa clientèle de contacter son service client au numéro 81 55 55 869 ou de se rendre dans l'une de ses agences la plus proche. À 23h, ce sera la prochaine livraison d'informations sur la RTNC et ce sera avec Gaëtan Magalano. Merci d'avoir suivi ce journal coordonné par Marthe Mangaza, assisté de Yolande Voka. Madame, Monsieur, bonsoir.